m'avez vu assembler pas mal de choses, donc j'ai fabriqué les deux caissons qui vont être les deux coffres qui vont être là. Donc deux grands coffres ici pour pouvoir poser, ranger du matériel des leurs ou autre chose. Hein, mais l'objectif c'est d'avoir deux grands coffres avec deux portes séparées. Au début je voulais faire une grande porte, mais ça va faire beaucoup. Deux portes séparées niveau rigidité, ce sera quand même mieux. Et ça permettra d'avoir un peu plus des accès un peu plus faciles, quelque chose de plus rigide. Donc j'ai fini la structure, comme le même principe, des coffres qui sont étanches, donc avec la gouttière ici, des caisses en plastique que j'ai intégrées à l'intérieur. Maintenant c'était la réflexion de savoir le positionnement par rapport à la console, etc. Donc c'est à peu près en place, j'ai mis les longueurs là-bas, tac. À l'avant il y aura une trappe qui permettra d'accéder à l'espace et il y aura un renfort un peu au milieu là pour la partie siège. La trappe sera plus petite que la largeur là, hein, mais dans l'ensemble c'est ça. Ici on va mettre un coffre. Comme vous voyez ici là on a un coffre qui va être avec une forme hop, un petit peu en triangle. Donc là on va avoir du coup un coffre que je vais faire. Donc cette partie va se raccorder, va venir jusqu'au bord, la partie là-bas va venir jusqu'au bord, clac, et après on va faire une trappe ici, et là l'objectif c'est d'avoir le coffre à canne. Donc il y aura un retour de 30 cm qui viendra intégrer la marche, et normalement on aura un coffre, on rentrera des cannes de 2,10 m. C'est pas énorme, mais je peux pas avoir plus, déjà on rentrera tout ce qui est inférieur à 2,10 m. Sinon ça faisait un peu trop et ça faisait pas centrer les sièges, et moi j'ai envie qu'ils soient centrés. Je trouve ça quand même beaucoup plus esthétique, les sièges centrés, que le siège décalé complètement vers la console de pilotage. Et comme ça ce sera tout symétrique, ce sera quand même beaucoup plus joli, je trouve. Donc on va partir là dessus je réfléchis en même temps. Il y a des petites parties qui vont m'embêter. Hop, à ce niveau là il y a des espèces de baguettes qu'il va falloir que j'enlève.
y a plusieurs choses que j'ai fait. Là, j'avais mis au départ pour le coffre à canne. Coffre à canne, on rentrera pas des cannes très très longues, on va rentrer 2,10 m. Donc, j'ai pas tout filmé quand j'ai fait la structure, mais voilà, on a une partie, une première partie ici qui est une extension. Ici, il y aura une marche à peu près à mi-hauteur. Il me manque encore les tôles pour faire le. Pour refermer toutes les parties sur le latéral. Ici, comme je veux ne pas avoir de support intermédiaire pour le coffre à canne, j'ai renforcé. Donc il y a deux cornières plus un tube carré ici. Et là, il n'y a pas de souci, ça ne va pas bouger, sachant que ça sera repris sur le bord ici. Donc il y aura une partie qui fera à peu près cette largeur qui va faire la jonction avec le bord. Et après, le coffre qui va s'ouvrir là. On a une largeur largement suffisante, on a 25 de ce côté pour le coffre à canne et un peu moins de 20 cm de l'autre côté. Les coffres étanches comme vous m'avez vu faire, et là de ce côté on va avoir un grand coffre non étanche pour le coup. J'ai pas encore fait les supports de la trappe. Là on est vraiment sur la partie structure, et par dessus sur le même principe que là j'aurai des parties voilà, des parties en profilé qui vont me permettre de faire la fermeture du coffre et avoir un support pour la fermeture du coffre. Et j'ai pas encore fini tout à fait l'avant non plus. À l'avant, je sais pas si je vous avais montré, mais là j'ai une trappe d'accès et un bouchon, enfin un tuyau qui me permet d'évacuer l'eau qui est dans la partie avant, là où il y aura le moteur qui sera fixé. Il y a un caisson, s'il y a de l'eau qui rentre, elle permet de s'évacuer sur le pont directement et elle part à l'arrière. Ici, je vais encore renforcer là, faire deux descentes pour reprendre les charges. J'essaie au maximum de ne pas me fixer avec de l'alu sur directement la fibre, parce que là ça va pas travailler pareil, ça va avoir tendance à péter la fibre, c'est beaucoup plus rigide l'alu. Donc j'essaie d'avoir une structure qui porte quasi entièrement sur le pont. Et après il y aura juste le pontage qui sera vissé sur la structure. Mais c'est du bois, ça travaille à peu près comme la fibre. Il n'y aura pas de souci normalement. Et ça suffira largement. Mais ici on aura, je vais faire un renfort. On voit pas très bien. Je vais avoir un renfort juste là pour pouvoir mettre un siège. Et on aura une trappe pour un grand coffre à l'avant avec sur la trappe. Un renfoncement pour mettre une pédale pour le moteur pour que ce soit beaucoup plus confort, parce que la pédale surélevée c'est vraiment pas agréable. Donc voilà la structure. Hop. Donc là avec les renforts ça porte pas, ça pose pas, mais ce sera plaqué après quand on viendra fixer au fond du pontage. J'ai dû aussi, je vous ai pas montré, j'ai enlevé une partie des baguettes là qu'il y avait là qui me gênait pour faire mon pontage. Il va me falloir que je fasse un peu de fibre, un peu de résine dans un des prochains épisodes je pense, parce que là je fais plein de choses en même temps. Là j'ai encore de la fibre à faire ici du coup pour refermer, mais j'ai toujours pas fini l'intérieur des coffres à l'arrière. Pareil, il faut que je fasse de la fibre, de la résine, du mastic, du gel coat, etc. Donc j'ai encore pas mal de choses. La laque marine, j'ai mis qu'une seule couche sur tout le fond. J'ai mis qu'une seule couche sur tout le franc-bord, mais j'attends d'avoir fini le pontage parce que je fais des rayures un peu partout au fur et à mesure. Donc je vais attendre d'avoir fait ça, d'avoir fini la structure pour faire la dernière couche finale. Sachant qu'il me reste encore le côté, que je n'ai pas fait ici. Le changement de cette baguette, donc j'ai encore pas mal de lac marine à faire et je pense que je ne vais pas en avoir assez, il va falloir que j'en recommande. Là, sur la partie arrière, il me manque encore, identique à l'avant, les panneaux que je vais mettre, donc de la tôle alu. Donc pour la partie ici et pour la partie là. Tant que j'ai pas ces tôles alu, je ne peux pas me prendre sur ces tôles alu pour faire la deuxième partie. Sachant que les sièges vont être posés sur des trappes. En fait, on pourra basculer le siège à l'avant pour accéder à une trappe en dessous qui n'est pas très épaisse. On a, je crois, on a 16 au total de hauteur. Donc un petit coffre, on peut ranger des choses quand même, mais pas très important. Et là il me reste une partie aussi, comme il y a la rigole, cette partie de la rigole va être rebouchée évidemment pour ne pas rester en place ici. Donc on aura ça, et il me manque encore la partie de la structure qui va ravancer pour couvrir un petit peu le côté de la console, pour faire la jonction avec le côté de la console, avec le même angle que là. Bon, j'ai pas encore mis la baguette, mais il y aura une baguette avec l'angle qui est au sol. Donc là, tac, ça revient le même angle pour se prendre sur le côté de la console, et une marche au milieu pour pouvoir monter.
Et normalement, la marche identique à l'autre côté, ce sera une trappe qui s'ouvre pour ranger des choses diverses et variées. Voilà, donc il y a encore du boulot, mais on continue, on avance gentiment. Bon, là je suis en pleine réflexion. Il va y avoir une trappe ici. J'ai pas envie qu'elle soit carrée. J'ai peur qu'esthétiquement ça fasse bizarre. Donc elle va avoir la même continuité que le bord de la coque. Et à l'intérieur de cette trappe, enfin sur cette trappe, va être intégré un renfoncement pour la pédale. J'ai pas encore commandé le renfoncement, c'est des parties en alu préfabriquées. Mais les dimensions font que je suis un peu bridé là-dessus. J'ai presque plus de profilé de cornière. Donc on va le faire avec du tube. Ce sera aussi propre hein, de toute manière. Et que vu que c'est une partie qui est un petit peu en porte-à-faux quand même, ça permettra de rigidifier correctement. C'est pas plus mal. Ici je prévois du coup quand même de laisser un peu d'espace pour mettre un pied de siège. Mais c'est la question, c'est jusqu'où je vais, quel espace je donne, je sais pas encore les pieds que je vais mettre. Donc c'est assez difficile sans tout avoir. Mais du coup voilà là où on en est. Donc c'est parti, on va fixer cette barre là. On va fixer une autre barre ici. Et après on va mettre une barre en angle. Je sais pas encore avec quel angle, mais voilà. Entre guillemets comme ça. Pour faire les bords des coffres. Donc allez, c'est parti.